Salut la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 19 Crypto. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo concernant Saitama. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à déclencher la petite cloche de notification. Donc, c'est parti, le Saitama. Bon, et qui tourne toujours autour des 0,00000035 cents avec une market cap d'environ 1 milliard 500 millions de dollars. Bon, le Saitama a bien chuté lors des trois derniers mois, mais on va dire sur les 7 derniers jours, bon, il se stabilise entre les 33 et les 47, on peut voir. Mais rien de méchant, parce qu'avec la chute de la plupart des cryptos, on va dire que le marché est baissier actuellement. Donc le Saitama, ceux qui ne connaissent pas, le Saitama, c'est une crypto qui a été créée sur la blockchain Ethereum et qui il y a 2% de transactions sur chaque token Saitama qui sont redistribués aux holders et 2% qui sont brûlés, sachant qu'il y a déjà 49% qui ont été brûlés. Et de plus, il y a le Saitama qui est en création, l'audit que je vous avais parlé récemment via Twitter. Alors le Saitama, qu'est-ce que c'est? C'est le Saitama, on aura l'occasion d'acheter de la crypto via sa carte bleue ou encore créer et trader des NFT ou encore apprendre la finance de la crypto, comment être éduqué, l'éducation et la finance par rapport à la crypto-monnaie. Et il va apprendre à ceux qui ne savent pas tout ce qui est crypto, apprendre les bases. À être éduqué dans le monde de la crypto. Exactement. De plus, on pourra acheter et vendre de la crypto. Et parmi ce que je viens de vous dire par rapport à l'achat et la revente de crypto, ils viennent d'annoncer un listing. Et là, ça va être intéressant. Le listing qu'ils ont annoncé. Voici le listing qu'ils vont annoncer sur le Saitama. Et là, ça va être sympa parce que le prix va vraiment, vraiment augmenter. Le volume de transactions va exploser. On peut voir Kijimoto, Luffy Inu, ceux qui connaissent sur la blockchain Ethereum, DQ Inu, Shinja, Wayfair, Lily Finance, Lily Finance qu'on a beaucoup en parlé, Impact XP seront listés sur le Saitama. On a 3, 6, 7 cryptos déjà listés. Et ceux-là, la plupart sont créés sur la blockchain Ethereum. Le volume va exploser. Le volume va exploser pour quelle raison? Parce que ce qui se passe actuellement avec le Saitama, c'est que pour le moment, il est pas listé sur des gros. Il est listé sur KuCoin, mais il n'est pas encore listé sur Coinbase ou Binance. Faut vraiment attendre que l'audit se finisse. Parce que là, actuellement, l'audit est à 85%. Donc ça prend un peu de temps sur le site Certiq. Quand le Saitama sera officialisé, déjà il y aura beaucoup beaucoup de tokens, de créateurs de tokens, de projets voudront se faire lister par Saitama. Et la visibilité par rapport à ça va être énorme, sans compter le nombre de téléchargements d'applications par rapport à ça. Et le volume pourrait atteindre des sommes incroyables. Donc, est-ce que ça va impacter sur le prix du Saitama? Complètement. Moi, pour ma part, complètement. Je vois ça sur le long terme. Sachant qu'il y en a beaucoup qui disent que par rapport au volume, par rapport à la market cap, tout ça, ça bloque beaucoup de personnes. Je sais que c'est tout à fait compréhensible. Hein. Sachant qu'il y a 100, il y a 1 million de milliards de jetons, quand même, ce qui est normal. Et déjà, on va dire, la moitié a été déjà brûlée. Donc, il reste 44 millions de milliards de jetons. Mais je pense que, avec le volume de transactions, les 2% achats et à la revente, ça va permettre de réduire le volume énormément par rapport à la total supply. Donc, faudra laisser le temps. Donc, pour ma part,
Le Saitama, c'est du long terme, du très long terme, sachant que faut pas oublier qu'ils ont déjà, je vous montre ça, qu'ils ont déjà par rapport à ça un projet. Ce projet-là, déjà fin de l'année, ils avaient annoncé le Saitama, on y est proche avec le stacking. Et sur l'année 2022, on aura une plateforme NFT, un site social pour socialiser tout ce qui est autour du Saitama, le Saitama Market, qui permettra d'acheter des tokens et tout ça, la Saita Education pour ceux qui ne connaissent pas la crypto, pour leur apprendre tout ça. Sans compter que 2023 va être super intéressant parce que Saitama voudrait créer sa blockchain. Donc par rapport à ça, ça va être intéressant de voir comment ça va se développer. Donc, pour ceux qui sont pressés, c'est normal. Ils disent, ouais, c'est pas un investissement intéressant. Je pense que sur le long terme, ça va être intéressant. Le Saitama a un potentiel énorme. En plus, l'équipe a créé sa société LLC aux États-Unis. Le gars vient des États-Unis, donc ça peut être que positif sur le long terme. Donc voilà concernant le Saitama. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, et à vous abonner, et je vous souhaite une très bonne journée. Allez, ciao, ciao.